C'est pour aller en randonnée que nos amis du Club des Cinq décident aujourd'hui de se retrouver. Et lorsque le Club des Cinq part en randonnée, on ne peut jamais prédire ce qui arrivera. Mais écoutez plutôt. Nous sommes à la veille des courtes vacances du 11 novembre. Allô? Oui, ici la pension Clairbois. Mademoiselle Annie Gauthier, de la part de qui? Ah bien, voulez-vous attendre un instant, monsieur? Je vais la chercher. Annie? Annie Gauthier? Oui, madame? Votre frère François au téléphone. Oh, merci, madame. Claude, viens vite. François nous demande au téléphone. Oh, laisse-moi prendre l'écouteur. Allô? Bonjour, François. Mick est près de toi? Oui, j'ai reçu ta lettre, oui. Nous avons congé aussi. Depuis ce matin jeudi jusqu'à lundi midi. 4 jours et demi pour le 11 novembre, c'est merveilleux. Oui, oui, Claudine viendra avec nous. Tante Cécile veut bien nous prêter notre chère cousine. Ah! Elle vient de me pincer parce que je l'ai appelée Claudine. Je voulais dire que Claude viendrait aussi. Passe-le-moi. François, c'est Claude. Bonjour. Oui, je te remercie, Dagobert va très bien. Il s'ennuie seulement un peu d'être enfermé au chenil toute la journée. Il est fou de joie à l'idée de notre randonnée. Où nous retrouverons-nous? Vers 11h à l'Indisiou sur la place de l'église. Entendu? Oh oui, on apportera des pulls verts et des imperméables. Oui, t'inquiète pas, tout est prêt depuis 2 jours. À tout à l'heure. Eh bien, mes enfants, il va être 9h. Vous avez juste le temps d'aller prendre votre train. Vous emmenez votre chien? Oh oui, madame, Dago vient avec nous. Sans lui, ce ne serait pas des vacances. Et où irez-vous? François choisit les Landes au nord de l'Andisiou. C'est un pays désert et mystérieux. Nous coucherons dans de petites auberges ou dans des granges. Ce sera passionnant. Fort bien. Mais soyez prudentes, mes petites. Et bonnes vacances. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Dago, tiens-toi un peu tranquille. Oh, est-ce que tu peux être impatient, mon pauvre ami? Mais oui, François et Mick vont arriver, mais t'énerve pas comme ça. Les voilà! Bonjour, bonjour, mes filles! Ah, bonjour, mon petit Dago. Content de te revoir, hein? Et moi, alors? Oh, toi aussi, chère petite sœur de mon cœur. Vous avez un sac, les filles, avec tout ce qu'il faut? Oui, monsieur, rien de manque. Mais cesse de nous rappeler que nous sommes des filles. On a aussi fait quelques provisions à l'auberge en vous attendant. Oh, beaucoup? Oui, quelques tonnes de sandwichs. Nous connaissons vos appétits en vacances. Alors en route, Club des Cinq au grand complet. En avant! C'est vraiment très désert par ici. Tu ne vas pas dire que tu as peur, déjà? Pas du tout, t'es bête. Tout à l'heure, on nous a dit qu'il y avait une grande prison dans les environs. Quelquefois, il y a des prisonniers qui s'évadent. Alors, on sonne la grosse cloche pour alerter les gens du pays. Oh, j'aimerais pas rencontrer un évadé. Bah, il nous ferait peut-être aucun mal. Vous voyez cette belle colline? C'est la colline aux lapins. Nous arrêterons là pour goûter. Dago! Dago, veux-tu venir ici, Dago? François parlait de lapin devant lui. Dago est parti chercher son goûter. Je lui ai interdit de courir après les lapins. Dago, ici! Viens, Dago! Viens! Regarde tous les lapins qui dévalent, poursuivis par Dago. Oh, il va les chercher jusque dans leur terrier. Et il a disparu sous terre. On ne voit plus que sa queue. Je vais le chercher. Allons, sors de là, Dago, je te tire par la queue. Allons, viens!
Qu'est-ce que tu t'es fait? Viens, montre-moi que tu as mal. Qu'est-ce qui est arrivé à Dago? Il boite? Pourquoi l'as-tu tiré si fort? Il était coincé dans ce trou. Il fallait bien en sortir. Allons tout de suite à Langonnec. Nous trouverons peut-être un vétérinaire. Il nous dira si c'est grave et soignera le pauvre Dagobert. Alors, Claude, la fermière t'a indiqué la maison du vétérinaire? Il n'y en a pas ici, à Langonnec. Elle m'a conseillé de m'adresser à M. Gaston, qui a une grande écurie. Il soigne très bien les chevaux. Et il peut aussi nous donner un conseil pour Dagobert. Bon, j'irai avec toi, Claude. Oui. Annie et Mick, pendant ce temps, iront en éclaireur à la ferme de l'Étang Bleu, où nous devons loger ce soir. C'est par ce sentier à une demi-heure de marche. Tu t'y retrouveras, Mick. Oh, ce n'est pas sorcier. Viens vite, François, je suis inquiète pour Dago. Viens, mon bon chien. Allons chez Monsieur Gaston qui soignera ta pauvre patte. À tout à l'heure. Oh, Mick, il y a plus d'une demi-heure que nous marchons. Nous avons dû nous tromper de route. La nuit tombe, et voilà qu'il se met à pleuvoir. Nous ne sommes peut-être pas loin du but. Ne te décourage pas si vite. Tiens, voilà une charrette. Nous allons demander notre chemin. Monsieur! Monsieur, s'il vous plaît! C'est bien le chemin pour la ferme de l'Étang Bleu? Pour l'Étang Bleu, s'il vous plaît. Monsieur, c'est tout droit? C'est bien par ici? Merci, monsieur, merci. Eh bien, nous voilà renseignés. Allons, petite sœur, courage. Nous trouverons bien un abri pour la nuit, à l'Étang Bleu ou ailleurs. Donne-moi la main. Allez, en route. Écoute, Mick, qu'est-ce que c'est? Des cloches. Hein? Elles sont sinistres. On dirait un glas ou un signal d'alarme. Quel son étrange! C'est comme l'écho d'un bruit disparu. Elles ne sonnent pas comme des vraies cloches. Ça donne le frisson. Tais-toi donc! Il n'existe pas de cloche fantôme. Il pleut de plus en plus. Le chemin est comme une rivière. J'ai de l'eau jusqu'aux chevilles maintenant. Oh, je vois une lumière. C'est une ferme. Viens, Annie, encore un petit effort. Nous sommes au bout de nos peines. Nous y voici. Tu vois la bonne fermière qui tricote au coin de son feu? Elle va sûrement nous donner un bon lit pour la nuit. Nous pourrons nous sécher et nous chauffer un peu. Elle n'a pas l'air d'entendre. Tant pis, entrons. Excusez-moi, madame. Nous avons frappé, vous n'avez pas répondu. Hein? Quoi? Oh, vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites dehors par un temps pareil? N'est-ce pas ici la ferme de l'Étang Bleu? Ah, inutile de parler, je suis sourde. Vous ne pouvez pas rester ici. Mon fils va rentrer et il veut voir personne chez lui. Allez-vous-en. Oui, bon, vous êtes tout mouillé. Il fait nuit. Ben, je garde la petite fille. Elle couchera au grenier. Mais vous, mon gars, vous filez tout de suite. Si mon fils vous voit, il vous battra. Allez-vous-en, allez. Reste Annie. Je ferai semblant de partir et j'irai dormir dans la grange en face. Va dans le grenier. Tu auras chaud. Si quelque chose ne va pas, appelle-moi par la lucarne. Entendu, Mick. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit, Annie. Tu n'as pas peur? Oh, je sais que tu n'es pas loin. Je n'ai peur de rien. Soit je commence à être très inquiète. On n'aurait pas dû accepter l'invitation à dîner de M. Gaston. Et quand nous n'avons pas trouvé Annie et Mick hier soir à la ferme de l'Étang Bleu, on aurait dû continuer les recherches.
au lieu de nous coucher tranquillement et de dormir comme des marmottes. Je te répète qu'ils ont certainement trouvé un abri dans une ferme. Comment aurions-nous pu les retrouver dans la nuit? Il pleuvait tellement. Ce matin, il fait jour et le soleil brille. Marchons vers l'autre lac. Annie et Mick reviendront sans doute, puisque c'est là que nous nous sommes quittés. Oh, que le ciel t'entende. Oh, les voilà! Les voilà! D'un coup, les a aperçus le premier. Annie! Mick! Oh, ce que je suis contente! Enfin! Je suis heureuse de vous revoir. Nous ne savions plus où vous étiez. À la ferme de l'étang bleu, où nous avons passé la nuit. Que vous est-il arrivé? Nous nous sommes perdus. Il pleuvait, il faisait noir. J'ai eu si peur. Et ces cloches dans la nuit. Vous les avez entendues? Oh oui, nous étions chez M. Gaston. C'était un signal d'alarme. Ah? Un prisonnier s'est évadé. C'est vrai? Oui. Heureusement que je n'y ai plus pensé. J'aurais eu encore plus peur. Oh, comment va Dago? Ah, il a l'air de gambader le mieux du monde. Sa patte va tout à fait bien. Une simple foulure. Monsieur Gaston l'a lui a remise en place en un tour de main. Nous n'avons rien mangé depuis hier soir. La fermière était sourde. Elle avait un fils très méchant. Nous nous sommes sauvés ce matin. Moi aussi, je meurs de faim. Vous savez, il m'est arrivé une curieuse aventure cette nuit dans la grange. Nos sacs sont pleins de sandwichs. Asseyons-nous pour déjeuner. Mick nous racontera son aventure. Alors, quand Annie est montée dans son grenier, je suis allée dans la vieille grange. J'y ai trouvé de la paille, je me suis fait un lit convenable et je me suis endormie tout de suite. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillée par un bruit étrange. Quelqu'un grattait à la fenêtre. À la clarté de la lune, j'ai vu un homme petit, très fort et chauve ou complètement tondu. J'ai cru rêver en entendant ce qu'il disait. Mick, réponds-moi. Je sais que tu es là. Fais pas l'idiot. J'ai un message pour toi. De la part de Hortillon. Je suis là. J'écoute. Voilà ce que Hortillon te fait dire. Écoute-moi bien. Deux chênes, les eaux dormantes, la belle Berthe. Et Hortillon dit aussi, Margot c'est tout. Elle a son papier, voilà le tien. Il a lancé une boulette de papier à travers le carreau cassé. Puis il est parti sans ajouter mot. J'allais me rendormir quand un autre homme est entré dans la grange. Celui-là était un peu bossu, il avait des cheveux en broussailles. Je me suis fait tout petit dans la paille, il ne m'a pas vu. Il est resté là une bonne heure, assis sur une caisse en maugréant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va me faire attendre longtemps? Puis il est sorti en ronchonnant toujours. Un peu plus tard, je me suis rendormie, cette fois jusqu'au matin. Eh ben, Mick, t'en as fait de beaux rêves. Un homme mystérieux qui te rend visite et t'appelle par ton nom dans la nuit. Mick, Mick. C'est drôle, très drôle, mais c'est tout à fait incroyable. Oh oui, mais le papier qu'il m'a lancé à travers le carreau et que j'ai retrouvé le matin au réveil. Hé, hey, je l'ai dans ma poche. Montre. Ah, voilà qui change tout. Un nom dans chaque coin. Tibol, clocher, cheminée, haute pierre, relié par un trait à un nom au milieu, Belberthe. Et Belberthe est un des mots qu'il a prononcé. Deux chênes, eau dormante, Belberthe. Je m'en souviens parfaitement. Mais comment aurait-il su ton nom? Il t'a appelé Mick. Bien sûr, ce n'est pas à moi qu'il pensait parler, mais à un autre Mick. Le fils de la fermière chez qui nous avons logé s'appelle Mick lui aussi. Je me suis renseignée ce matin. Mick Tagar dit Mick qui pique à cause de ses cheveux en broussailles qui lui donnent l'air d'un hérisson. C'est certainement lui qui avait rendez-vous dans la grange avec le gros tondu. Mais il est arrivé trop tard. J'avais reçu le message à sa place. Et Mick qui pique se demandait pourquoi son complice ne venait pas, alors qu'il était déjà passé. Et si le gros messager était le prisonnier évadé? Peut-être que Mick qui pique est un complice et qu'il prépare un mauvais coup avec cet autre Hortillon, comme il l'appelait. Bien raisonné, Annie. Cela paraît très possible. Mais qui est Hortillon? Et cette Margot qui sait tout et qui a reçu le même papier? Ne m'en demande pas trop. Mais je crois que nous en savons assez pour mettre la police au courant. Passons par Langonnec. Nous raconterons cette histoire louche au brigadier de gendarmerie. Cela pourra l'intéresser. Parfait! Parfait, gamin! Alors, vous avez rencontré le prisonnier évadé cette nuit. Amusant.
Il doit se déplacer sur une soucoupe volante. On l'a vu en même temps à tous les coins du pays, oui. Et il vous a délivré un message. C'est aimable de sa part. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit hein? Il a dit deux chaînes, eau dormante, belle Berthe, Margot c'est tout. C'est joli. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est joli. Et qui est cette Margot qui sait tout? Nous ne la connaissons pas. Ah, dommage. On lui aurait demandé de venir nous donner quelques détails. Et il m'a donné ce papier. Ah, montrez-moi ça. Bien, 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 bien. Et que signifient ces gribouillages? Nous n'en savons rien. Mais nous pensons que cela pourrait vous aider à le capturer. Petit farceur, hein? Il est déjà capturé. Oui, on l'a repris ce matin. À l'heure actuelle, il est sous les verrous. Alors écoutez-moi, gamin. Vous pouvez jouer tant que vous voudrez aux gendarmes et aux voleurs avec vos petits camarades. Mais ne mêlez pas la maréchaussée à vos plaisanteries. Sinon, ça pourrait vous coûter cher. Compris? Mais ce n'est pas une plaisanterie, je vous assure. Vas-y, ça suffit maintenant. Allez, vous promenez, laissez-moi finir mon déjeuner en paix. Allez. Alors, Mick, vous avez vu le brigadier? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il s'est moqué de nous. Il ne nous a pas cru. Et vous, les filles, vous vous êtes renseignées à la poste? Oui. Le vieil employé connaît très bien la région. Il y avait bien une ferme qu'on appelait les Deux Chênes au bord d'un étang baptisé les Eaux Dormantes. Mais elle a brûlé il y a longtemps. Il ne reste que des ruines calcinées, visitées seulement par les chouettes et les corbeaux. Le chemin est assez dangereux, il paraît. Il longe des marécages où l'on risque de s'enliser et de se noyer. Procurons-nous des couvertures pour pouvoir dormir à la Belle Étoile. Et en route pour les Deux Chênes. C'est là-bas que se trouve la clé du mystère. François, tu crois que... Mais tu n'as rien à craindre, Annie, puisque Dago est avec nous. Tiens, tu vois? Il est déjà prêt au combat. Il est plus fort et plus courageux que 10 voleurs. Oh oui, bon Dago. Avec lui, je ne crains rien. Alors, tout le monde d'accord? Club des 5, prêt pour l'aventure? Vers les Deux Chênes, en avant! La grande aventure est commencée. Après une longue marche fatigante, nos amis parviennent à la ferme des Deux Chênes, au bord de l'étang appelé Eau Dormante. Ils s'installent dans les caves de la maison brûlée, où ils ont découvert avec surprise quelques vieux meubles et même des bougies pour s'éclairer. Ils se font des lits de fougères et, après dîner, tiennent un conseil de guerre. Écoutez-moi, j'ai bien réfléchi à notre histoire. Voilà ce que nous savons. Un prisonnier de droit commun, nommé Ortillon, a essayé de faire parvenir à des complices qui sont en liberté deux messages. L'un à une certaine Margot, qui l'a reçu. L'autre à Mick Taggart, dit Mick qui pique. Ce message-là est tombé entre nos mains. Vous me suivez? Oui. Bien. Maintenant, faisons des suppositions. Imaginons qu'Ortillon ait commis un vol important pour lequel il est en prison. Avant d'être arrêté, il a peut-être eu le temps de cacher son magot en lieu sûr. Mais s'il est en prison pour longtemps, il ne peut plus profiter de son vol. Alors, il cherche à joindre ses complices. Il ne peut pas leur écrire directement. Ses lettres seraient lues par les gardiens. C'est pourquoi il confie les messages à un camarade qui va s'évader. Oh, bravo, François! Tu es un vrai commissaire Maigret! Continue. Conclusion. Le message et le papier reçu par Mick la nuit dernière dans la grange doivent donner les renseignements pour trouver le trésor volé par ce cher Ortillon. Margot est prévenue. Elle a certainement alerté Mick qui pique et ils vont se mettre à la recherche du magot. Il faut être plus malin qu'eux et le découvrir avant qu'il ne l'emporte. Oh, c'est facile à dire. Il faudrait pouvoir déchiffrer le message. Mais nous sommes déjà sur la piste. L'évadé a dit deux chaînes. Eau dormante, belle Berthe. Les Deux Chênes, nous y sommes. Les Eaux Dormantes, c'est le petit lac que nous avons vu. Oui. Il faut trouver ce que signifie belle Berthe. C'est peut-être une dame qui s'appelle comme ça. Oh non, je ne crois pas. On dirait plutôt un nom de bateau. Oh oui. Oui, Mick doit avoir raison. Nous sommes au bord d'un lac. Les gens qui habitaient ici avaient sans doute un bateau.
Et le trésor est peut-être caché dans la cale. Qu'il est intelligent, notre Mick. Vous me flattez, chère Claudine. Ne l'appelle pas Claudine. Elle sera si furieuse qu'elle ne fermera pas l'œil de la nuit. Bon, maintenant, tout le monde au lit. Si l'on peut dire. Et n'oubliez pas de souffler les bougies. Se sont-elles mises à sonner ce matin? Nous sommes samedi 11 novembre, c'est la fête. La fête de l'armistice. J'aime mieux ça que la terrible cloche d'alarme de l'autre nuit. Suivons les bords du lac et ouvrons les yeux pour découvrir la belle Berthe. Attention au bas forcé. Cherche, Dago. Cherche. Pas de bateau, ni sur le lac, ni dans les roseaux. Oh, regardez, Dago a trouvé quelque chose. Un vieux hangar construit sur l'eau est caché par ce bouquet d'arbustes. Le voilà, le port d'attache de la belle Berthe. Courons! Il fait noir là-dedans. Vous avez vos lampes? Oui. Il y a deux bateaux attachés. Approchons les lampes que l'on voit les noms. Attends, je lis gros Grégoire, frétillante Fanny. C'est pas ça? Oh non, nous ne sommes pas plus avancés. La belle Berthe était peut-être ici. Elle n'y est plus. Il faudrait explorer le lac. Mais tous ces bateaux sont attachés avec des chaînes et des cadenas. Ah oui. Il y a un vieux radeau ici. Il flotte encore assez bien. Il n'est pas attaché. Il est trop tard pour le sortir maintenant. Retournons déjeuner dans notre palais souterrain. Nous reviendrons cet après-midi. Attention, il y a quelqu'un près de notre maison. Un homme et une grande femme maigre. Oh, l'homme, c'est Mickey Pig. Oh, je le reconnais bien avec sa bosse et ses cheveux en broussailles. La femme, c'est sûrement Margot. Elle est sèche comme un morceau de bois. Ils nous ont vus. Approchons innocemment et allons déjeuner comme si ne rien n'était. Dago, reste près de moi. Attention, les voilà qui viennent vers nous. Qu'est-ce que vous venez faire ici, les neufs, hein? Une randonnée à la campagne. Quel beau temps. Idéal pour se promener. C'est défendu de se promener ici. Propriété privée. Oh, mais non, nous n'avons pas vu d'écriteaux. C'est seulement une vieille maison en ruine. Elle est à tout le monde. Vous allez détaler d'ici en vitesse, compris? Certainement pas. Nous voulons naviguer sur le lac. C'est très dangereux de naviguer sur le lac. Les bains et les promenades sont interdits. Papa. Ils se moquent de nous? Allez, finis de rire, décampez, plus vite que ça. Retenez votre chien, il a l'air méchant. Il est très méchant, et si vous avancez, je lâche sur vous. N'insistons pas, nous avons le temps. Attends, galopin, je vais t'apprendre la politesse, moi. Les voilà qui fuient devant Dago. Bravo, vieux Dago. Un baiser pour ta peine. Maintenant, au déjeuner. Moi, j'ai faim. Hélas, nos amis ne trouvèrent rien l'après-midi sur l'étang. Pas de belle Berthe. Et en rentrant chez eux le soir, une mauvaise surprise les attendait. On a volé nos provisions. Le jambon, les pâtés et le sac de fruits. C'est sûrement Margot et son compère. Il ne reste rien? Juste le pain et les confitures que j'avais rangées dans la vieille armoire.
Ils ne les ont pas trouvés. Il faudra nous en contenter jusqu'à ce que nous ayons trouvé la belle Berthe et son trésor. Eh bien, ça va être gai. Du pain et de la confiture jusqu'au lundi. Mick ne pense qu'à manger, comme toujours. Claude, si tu te moques de mon appétit, je t'appellerai Claudine. Oh, écoute. Ne discutez pas. Oh, regardez. Regardez, voilà Dago. Qu'est-ce qu'il porte dans sa gueule? Un sac à provisions. Oui, ici, Dago. Et où as-tu pris ça? Oh, c'est plein de nourriture, regardez. Des pâtés, des conserves, des fruits, des œufs durs, du pain. Oh, chic, chic, chic. Le bon Dago est allé se servir dans la tente de Mickey Pic et de la Margot, comme il est intelligent. Les voleurs sont volés. Qu'est-ce que tu as, Dago? C'est Monsieur Mickey Pic qui vient chercher son dîner. Petit gredin, petit voleur, c'est vous qui avez pris toutes nos provisions. Cher monsieur, vous faites erreur. Ce n'est pas un vol, mais de la récupération. De quoi? Récupération, cher monsieur. Nos vivres sont chez vous, les vôtres sont chez nous, donnant, donnant. C'est de la bonne justice, non? J'ai l'impression que Dago ne vous aime pas du tout. Si je le lâche, il pourrait vous mettre en pièces. À votre place, j'irai dormir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Les gredins, les gredins, les gredins. Maintenant que nous avons bien dîné, ouvrez vos oreilles. Vous avez vu cette grande pierre que l'on apercevait du radeau cet après-midi sur le lac? Oui, oui. Oui, il me semble. Ce doit être un menhir, ou quelque chose comme ça. J'ai aussi aperçu un clocher sur les collines autour du lac. Oui, oui, je m'en souviens, je l'ai vu. Eh bien, regardez le plan de M. Ortillon. Quatre noms. Haute-Pierre, Clocher, Cheminée, Tibol. Relié par un trait à un autre point au milieu, Belle-Berthe. J'ai regardé la carte d'état-major. Tibol est une colline arrondie à l'est du lac. Il existe donc, sur le lac, un point et un seul d'où l'on aperçoit à la fois la Haute-Pierre, le clocher, la cheminée et la colline de Tibol. C'est à ce point précis que se trouve la Belle-Berthe. Elle n'est pas sur l'eau. Nous l'aurions vue. Mais elle est peut-être sous l'eau. Ce serait une épave. À toi la palme, François. Tout ça se tient fort bien. À la seule condition que Margot et Mickey Pic n'y soient pas avant nous. Ils ne peuvent pas chercher la nuit. Ils ne verraient rien. Et aux premières lueurs de jour, nous serons sur les lieux. Alors moi, je vais dormir tout de suite. Moi aussi. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Pagayer dès le matin. Oh là là, ce radeau est lourd à manœuvrer. C'est excellent pour la santé. L'exercice matinal fait les hommes forts. Regardez, le soleil se lève. Comme c'est beau. Ça y est, je vois la Haute-Pierre. Je ne la quitte plus des yeux. Continuez à pagayer et dites-moi dès que vous apercevrez un autre de nos repères. Je vois le clocher. Et cette colline là-bas? Plus haute que les autres et toute ronde. Ce ne peut être que Tibol. Reste à trouver la cheminée. Allez, encore un petit effort. J'aperçois une maison au loin, entre deux bouquets de bouleaux. Vous la voyez? Baguez encore, Mick. Regardez, on découvre la grande cheminée. On voit maintenant tous les repères. Tibol, la Haute-Pierre, la cheminée, le clocher. Nous devons être exactement au-dessus de la Belle-Berthe. Arrêtez le radeau. Stop, stop. Oh, il y a quelque chose au fond de l'eau. Une masse blanche. Victoire! C'est la Belle-Berthe. Une barque vient vers nous. Mick, Tagar et la Margot ont mis à l'eau la frétillante famille. Ils arrivent droit sur nous. Du calme et de l'indifférence. Nous faisons simplement une promenade. Ne l'oublions pas. Écartez-vous de là! Nous ne dérangeons personne. Nous nous promenons. L'air du matin est si pur. Vous n'avez pas le droit de prendre ce radeau. C'est interdit de se promener sur le lac. Et vous avez volé nos provisions. Nous vous dénoncerons à la police. Bonne idée. Attention, vous allez heurter notre radeau. Bah, tant mieux si vous tombez à l'eau. Fichez-moi le cordage.
Tatou a très envie de monter dans votre barque, vous dire bonjour. Vous voulez que je le lâche? Bon, ça va, ça va. Quand finit votre congé? Nous rentrons à l'école demain, chère madame. Et voilà, ils renoncent. Ils vont attendre notre départ. Et d'ici là, le trésor se sera envolé. Bon, je vais plonger et voir si le trésor y est. Il suffira d'attacher le paquet à une corde et nous le ramènerons à la surface. Merveilleuse idée. Mais l'eau est très froide. Oh, tu te déshabilles, tu y vas tout de suite. François, t'es un héros. Allez, je plonge. Hop là. Oh, ça a l'air profond. Ne remonte pas. Il va se noyer. Mais non, il nage comme un poisson. Tiens, le voilà. Il y a un gros paquet sous le banc, enveloppé dans une toile imperméable. Est-ce que vous avez une corde? Non. Regardez, Margot et Mickey Pic nous observent du rivage avec des jumelles. Sors vite de l'eau, François. Oh, c'est froid. Écoutez, nous reviendrons cette nuit avec une grosse corde. Il y aura clair de lune. Les deux voleurs dormiront. Nous ne retrouverons pas l'endroit dans la nuit. Ben oui. Il faudra un flotteur pour le repérer. Oh tiens, j'ai une balle en caoutchouc. Elle flotte. Mais comment l'attacher à la ficelle? Ça va glisser. Mais rien de plus simple. Enveloppe-la dans ton mouchoir, tu attaches le mouchoir à la ficelle et à l'autre bout, ma lampe électrique. Voilà le repère fixé. Mick, tu as du génie. Cette nuit, le trésor de Monsieur Ortillon passera aux mains du Club des Cinq. Il est minuit. À la clarté de la lune, nos cinq amis sont à nouveau sur le lac. Nous y sommes. Je vois notre flotteur. Immobilisez le radeau. Oui. Vous avez la corde. Voilà. Je plonge. Il ne va rien voir. Mais non. La lune est claire comme en plein jour. Maintenant qu'il sait où est le paquet, il peut le retrouver en tâtonnant. Ça y est, voilà le bout de la corde. Je viens vous aider. Allez. Tous ensemble. Oh, c'est lourd. Oh. Attention, vous allez faire chavirer le radeau. Voilà le trésor. Je le vois. Mais tirez donc. Victoire! Il est à nous! Retournons tout de suite à Langonnec. Nous remettrons le paquet à la police. Dépêchons-nous, le jour se lève. Voilà Margot et Mickey Pic! Ils sortent de leur tente! Courons! Ne quittez pas le sentier! Les marécages sont dangereux! Les bandits sont encore loin! Oh! Ils coupent par la prairie pour nous rattraper! Ils se sont enlisés! Ils ne peuvent plus avancer! Parfait! Ils attendront tranquillement les gendarmes! Ils ont les pieds au frais! Bravo, mes enfants! Vous avez fait du bon travail! Ce sont des vrais bijoux, monsieur l'inspecteur? Je crois bien, toute une fortune! Les bijoux de la princesse Falonia que le sieur Ortillon avait volé il y a 2 ans. N'avions jamais pu remettre la main dessus. Oh, qu'ils sont beaux! Comme ils brillent! Les gendarmes sont partis chercher les deux lascars, Mick Taggart et la Margot. Je vais vous faire reconduire en voiture à vos écoles. Merci, monsieur l'inspecteur. Oh, déjà la pension. Comme c'est court, les randonnées. Ne sois pas triste, ma vieille. Il y aura d'autres vacances. Et peut-être d'autres aventures. Et le Club des Cinq triomphera partout et toujours. Hurrah! Hurrah! Hurrah!